Coucou, j'espère que vous allez bien. L'astuce que je vais partager avec vous, c'est comment conserver la banane plantain longtemps pour ne pas que ça se gâte. Il faut gagner du temps à la cuisine. C'est très simple. Ici, j'ai des bananes plantain que je vais laver. Premièrement, il faut laver la banane plantain. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer des nouvelles recettes et des astuces. Faut bien laver la banane plantain. Et voilà, après avoir lavé, maintenant je vais enlever la peau de la banane plantain et les découper. Faut regarder la vidéo attentivement, c'est très simple et pratique. Vous pouvez faire la même chose avec l'igname, le manioc. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer des nouvelles recettes. C'est une astuce simple et pratique. Et voilà, après avoir enlevé la peau, maintenant je vais les découper. Découpez la forme que vous voulez. Après avoir découpé, maintenant je vais les attacher dans des sachets. Par exemple, si vous voulez frire, vous n'aviez pas besoin de décongeler. Il faut mettre la poêle dans, il faut déposer la poêle à feu, au feu, et rajouter l'huile végétale. Il faut laisser l'huile chauffer avant de les frire. Il faut frire directement. Vous n'aviez pas besoin de décongeler avant de les frire. C'est une astuce très simple et pratique. Comment conserver la banane plantain longtemps? Si vous aviez beaucoup de la banane plantain et vous ne voulez pas que ça se gâte, voici une astuce simple et pratique. Et voilà, maintenant je vais mettre au congélateur. Merci de regarder la vidéo. Rendez-vous dans une autre vidéo. Bye!